Lesotho, Akwara, Ghana, Ethiopia, Morocco, Djibouti, Cameroon, Malawi, South Africa, Mauritania, Eritrea, Libya, Comores, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Madagascar, Île Maurice, Africa, Lyon, Solisanga. Mozambique, Namibia, Tupi, Zanzibar.
Africa, Mauritani. Eritrea, Libya, Comore, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Madagascar, l'île Maurice, Africa, Lyon, Solisanga. Et oui, Africa sur les ondes de chaque FM 105 ans. Plaisir d'être là tous les mercredis de 18h jusqu'à 20h, la famille. Et oui, c'est ça l'Afrique, la famille. Un plaisir d'être là tous les mercredis. Toujours au point, toujours de pouvoir apporter la bonne musique sur les ondes de choc. Vous l'apportez chez vous, carrément chez vous, la famille. Et je sais que vous adorez cela. Tous les mercredis de 18h jusqu'à 20h, mon nom c'est Mr. Tcherno, l'émission c'est Nomad Soul. Eh oui, Toto Poami. Eh oui, Freddy Massamba sur les ondes de chaque FM 150. Plaisir d'être là tous les mercredis de 18h jusqu'à 20h. C'est un plaisir, comme je l'ai dit. Et c'est un plaisir, je sais, partager. Vous m'attendez tous les mercredis et moi, je cours pour venir chez vous. Vous apporter toute cette belle culture africaine, comme vous le savez. Et c'est toujours un plaisir. Et encore une fois, un autre plaisir. Et plus de plaisir et de plaisir. Et à la fin, tout le monde est content. Mon nom, c'est Mr. Tcherno. Et l'émission, c'est Nomad Soul, qui existe depuis pas mal de temps. Et dans cette émission aujourd'hui, nous allons aussi encore à la découverte de la culture africaine dans tout son ensemble. Et comme on le fait à chaque fois, on va un peu partout. On ne touche pas un seul style de musique, on touche tous les styles de musique africaine plus traditionnels, comme vous le savez. Et souvent aussi, on touche à la modernité, mais c'est ça aussi. Ou souvent, c'est des tradis modernes, comme on l'appelle, où on essaye de voir des fusions entre l'old school et le new school, ou simplement quelque chose qui est totalement retrait, quelque chose qui est totalement visible. La dernière fois, on a quand même mis pendant plus de 2 heures, un peu plus d'une heure de temps, 1h30 de show, on a quand même mis que des chanteurs qui sont au Canada, des albums qui sont sortis au Canada. Aujourd'hui aussi, on va en remettre des albums qui sont au Canada, parce que l'émission, c'est ça. Souvent, on a plus tendance à mettre des sons qui viennent d'ailleurs, mais on oublie aussi qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes ici au Canada. Et on a commencé avec Freddy Massamba, qui vit entre ici au Canada et aussi en Europe et aussi en Afrique. En tout cas, on l'a rencontré en Afrique. C'était une des plus belles rencontres, une des super plus belles rencontres, en tout cas, que j'ai eu à faire au niveau de Massa. Et pour cela, on remerciera aussi toutes les personnes qui nous ont amenés là-bas au Massa. On va parler pour cela du papa, Charlie Maywan, big up à toi. Donc, je sais que tu nous écoutes. Si tu ne nous écoutes pas, si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut voir Charlie à l'instant, lui dirait, vas-y, on te fait un gros big up en ce moment. Donc voilà, c'est un plaisir. Mais quoi qu'il en soit, on remercie aussi toutes les personnes avec qui on était. Nadine McNulty, avec le beau travail qu'on a eu à faire là-bas. Miss Blandine, qui est toujours restée là-bas. Mais on a une pensée, une très, 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 très grande pensée pour Miss Blandine. Et aussi son album, on essaiera de voir mettre son album un peu plus tard. Donc voilà. Et si on commençait avec que du lourd, comme on le sait, à chaque fois on commence l'émission tout en douceur et on monte petit à petit, à un certain moment, boum, c'est 100% dansant. Si vous êtes prêts, moi je le suis. Si vous n'êtes pas, ben moi aussi je le suis. Donc on verra à la fin comment ça va s'organiser. Plaisir à vous, plaisir à moi, plaisir à tous ceux qui nous regardent. Et comme je l'ai dit, c'est toujours du bonheur d'être là. Merci en tout cas à tout le monde. On écoutait Swan Massi sur les ondes de chaque FM 105 ans. Écoute-moi ça, ça vient de l'Algérie et ce n'est que du bonheur. Thank you.
عجيدة كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا روي كيما حكى ولك ما تزيد ما تنقص من عندك كاين شفا ولا بلاك حكي ونسينا بهاد الزمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان عجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية Soit Massi sur les ondes de chaque FM 150, toujours un bonheur de pouvoir écouter ces belles voix qui nous viennent de l'Algérie. Comme je l'ai dit, cet album, cette chanson super, elle est tellement extraordinaire. C'est pour cela qu'on a voulu commencer en beauté. Raoui, si je le prononce très bien, Raoui. Donc voilà, c'est tout le temps du bonheur de pouvoir commencer cette émission comme ça. C'est pas fini. On va rester dans cette cadre de musique un peu plus douce. Comme on l'a dit dans cette émission, on fait tout le temps en sorte que les gens puissent écouter le bonheur de la musique africaine ici sur les ondes de chaque FM 150. Mon nom c'est Mister Tcherno, l'émission c'est Nomad Soul, 100% musique africaine. Écoute-moi ça. Elle passe sous le nom de Khadija Nin qui nous vient simplement du Burundi.
Yes, Free sur les ondes de chaque FM 150, Khadija Nin, que vous connaissez très bien, lui vient simplement du Burundi. Vous vous rappelez de cet album Samborera? Vous vous rappelez un peu de cette, de cette, de cette chanson et aussi de l'album en tant que tel? Un album extraordinaire sorti en fin des années, plutôt des années 90, plutôt au début des années 2000, mais juste avant les années 2000. Un album quand même qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup marché en Europe et partout dans le monde. C'est avec cet album qu'on l'a connu et, ça, et cette chanson fait partie de cet album. C'est toujours un plaisir de pouvoir écouter ces genres de musique ici. Et comme on a dit, on a eu aussi beaucoup d'albums qu'on a joués la semaine passée. On essaiera aussi de les jouer prochainement. En tout cas, certains qu'on peut jouer, ce qu'on a pris du côté de l'Afrique. La dernière fois, on en a eu quelques albums. On va les jouer. Ah, aussi, j'ai mon ami Olivier Chimanga qu'on va essayer de jouer. Où est-ce que je vais le montrer? Ici ou ici? On essaiera de jouer Olivier Chimanga un peu plus tard pour faire un gros, gros clin d'œil à toutes les personnes qui adorent ce grand artiste de la musique africaine. Il était là à Toronto. On jouera aussi Ami Sako, qui n'est autre que la femme simplement du très 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 grand joueur de Ngoni Basse Kukuyate. On essaiera de jouer cela aussi. On jouera aussi quelques albums qu'on a eu. En tout cas, ça va faire plaisir. Du Touré Kunda aussi, ça fera plaisir de jouer du Touré Kunda. On a eu la chance de voir les papas au niveau de comment on appelle ça, de Massa cette année. C'était vraiment extraordinaire de les voir, de voir que ce groupe existe. La musique est là. Ils ont la musique qu'ils étaient en train de faire il y a 40 ans ou 45 ans ou 50 ans. Et c'est actuellement que cette musique commence à être développée depuis ces dernières années, ces 5, 6, 7 dernières années. En tout cas, que les groupes ont commencé à vraiment se dire, écoute, on va pousser notre musique africaine à 100%. On va essayer quand même de faire en sorte que les gens puissent écouter la vraie musique africaine. Ben, c'est normal, c'est bien, c'est gentil. Mais c'est ça qui prouve que la musique africaine, elle est vivante, elle sera vivante, elle sera là pour des temps et des temps et des temps. Et si on écoutait la maman qui est toujours là, elle qui est vivante, qui fait des choses extraordinaires, peut-être tout à l'heure on écoutera une chanson d'elle avec la nouvelle génération. Mais là, on va écouter une chanson d'elle, une belle, 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 belle chanson que vous allez adorer pendant ce temps. Je vous remonte l'album de qui j'ai dit qu'on va le jouer tout de suite, de Ami Sako et de Olivier Chimanga. On essaiera de jouer cet album de Olivier Chimanga. Je vous le montre en attendant que je classe le son. Donc voilà, vous l'avez vu cet album. Donc on essaiera de jouer cet album avant la fin de cette émission. Ou bien on va le jouer un peu plus tard. Mais quoi qu'il en soit, c'est un album dédicacé. Merci en tout cas pour la petite dédicace sur l'album et le beau show qu'il a eu à nous faire au Festival Habari Africa. Pour cela, on remerciera aussi Charlie pour avoir apporté Olivier Chimanga et poussé beaucoup à ce qu'on ait Olivier Chimanga. Mais en tout cas, c'était vraiment du lourd. L'émission ne fait que commencer. Écoutez les gars, et si on allait écouter la maman Angélique Kidjo sur les ondes de chaque FM 105 ans, c'est toujours du plaisir. Écoute-moi ça. Hey Rahel, une grosse pensée à toi. C'est bien aussi que tu parles le français. Thank you.
Maman Angélique Kidjo sur les ondes de chaque FM 105, une belle chanson, comme je l'ai dit. La chanson passe sous le nom de Bahia, elle nous vient du Bénin. Et ça, c'est pour faire un grand ou un gros clin d'œil simplement à Karine au micro du côté de Montréal, qui est aussi une des générations qui fera une belle chose dans la musique béninoise. Et on la supporte et on te supportera, ma petite sœur à moi. En tout cas, tu fais des belles choses par rapport à ta musique. Et l'album que tu nous as donné, ou le maxi que tu nous as donné, en tout cas, c'est assez extraordinaire. On essaiera plus tard, quand on aura la chance de t'avoir en ligne, de pouvoir plus faire une bonne, comment on appelle ça, interview. On parlera de ta musique, on parlera de toutes les choses. En tout cas, plaisir à vous, plaisir à moi, plaisir à tous ceux qui écoutent l'émission. Et comme je l'ai dit dans cette émission, l'idée aussi, c'est de aussi jouer tous ces grands noms de la musique africaine. J'ai aussi une femme que j'ai envie de jouer. Elle passe sous le nom de Dobe Nyaore et c'est toujours un plaisir de jouer cette dame de la musique ivoirienne. C'est dommage qu'on ne l'a pas vu quand on était allé en Côte d'Ivoire. On va juste essayer de voir Dobe Nyaore sur la chanson Abiani. Je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire. Si un des amis ivoiriens peut me dire exactement ce que ça veut dire Abiani. Et c'est dommage que je n'ai pas pu apprendre les langues ivoiriennes quand je suis allé. C'est toujours dommage quand on va dans les pays, on est plus concentré sur la nourriture et la musique ou en tout cas ce qui nous amène là-bas. Mais on oublie souvent la langue et c'est quand même ça, et ça va de pair. Quand tu veux manger la nourriture, il faut vraiment aussi que tu puisses parler la langue de là-bas. Et puis en tout cas, c'est un pays extraordinaire où c'était c'était pas la première fois que j'y allais, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir revoir le monde que j'avais pas vu depuis longtemps et aussi rencontrer des belles personnes. Toutes les personnes que j'ai rencontrées sur place, le travail était très bien fait. Et en tout cas, il y a toujours moyen de bien faire, mais en tout cas, ils ont fait un travail extraordinaire. Le fait de pouvoir réunir tous ces mondes-là là-bas, le fait aussi de pouvoir rencontrer tout le monde, de pouvoir aussi voir des gens qu'on n'a pas vu depuis longtemps qui continuent à travailler dans le monde de la musique, que ce soit sur la scène ou simplement des organisateurs d'événements ou simplement ceux qui amènent les artistes et tout. En tout cas, c'était un plaisir de voir tout ce monde ou simplement les artistes en tant que tels, tous les nouveaux artistes que nous avons rencontrés et simplement les anciens que nous connaissions aussi et les gens aussi de ma génération avec qui on a fait plein de belles choses avant de que les chemins se séparent. En tout cas, on pense à vous. C'est bien aussi d'avoir repris contact avec tout le monde. Et dans cette émission, comme on a dit, on essaie à chaque fois d'apporter du lourd. Et si on écoutait comme je l'ai dit, Dobe Nyaore et la chanson qu'on va écouter de Dobe Nyaore, ça va être assez extraordinaire. Mais donnez-moi juste le temps de caler la chanson de Dobe Nyaore et c'est toujours un plaisir de pouvoir tout le temps écouter Dobe Nyaore sur les ondes de chaque FM 105. Écoute-moi ça et tu vas adorer Dobe Nyaore sur les ondes de chaque. Yeah, woo! Yeah, yeah.
Dobby Niaoure sur les ondes de chaque FM 105, une très 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 grande artiste, une artiste qui fait beaucoup de belles choses dans le monde. Et c'est vrai qu'elle devait, ou elle doit être à Toronto. Maintenant, reste à savoir si ça va se passer, en tout cas au Canada, cette année pour l'été. On ne sait pas exactement comment ça va se passer avec toutes ces annulations qui se font en ce moment dans le monde, mais c'est pour la bonne cause, la famille, toute annulation de festivals ou simplement d'autres choses. On l'apprend avec philosophie, savoir que c'est une année assez exceptionnelle, ça ne nous arrive pas très souvent. Et si ça arrive, c'est nous permettre de faire un retour en soi, un feedback de notre propre personne et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est aussi de réparer tout cela. Mais quoi qu'il en soit, on le prend juste avec philosophie. Que les festivals se fassent ou ça ne se fasse pas, on le prend avec philosophie. Et puis on dit que quand même, on a connu quelque chose de très, 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 très grave. Mais là, alhamdoulilah, comme on le dit, donc on va essayer encore de prier pour que ça s'arrête, même si ça passe pendant l'été. Mais en tout cas, qu'on soit compatible avec... compatible plutôt avec les personnes qui nous ont quittés, les regrettés, comme on va les appeler, et les personnes aussi qui sont actuellement dans les comas ou simplement qui viennent juste d'avoir le virus. On pense vraiment à vous et cette émission vous est dédicacée à vous tous aussi. On sait qu'on en a beaucoup aussi, que ce soit des amis ou des personnes qui ont, en tout cas des personnes qu'on connaît, qui ont dans leur famille, en tout cas quoi qu'il en soit, que ce soit ici au Canada ou dans le monde, en tout cas on pense à vous et cette émission vous est dédicacée. Et aujourd'hui on va encore mettre de la musique, on va mettre un regretté, une personne que j'adore dans mon cœur pour sa belle musique. Le regretter, on va juste écouter sa musique. Je vous dis pas le nom, mais je vous dirai le nom à la fin. C'est une super belle voix. On a eu la chance de l'avoir ici il y a quelques années, mais quand il était vraiment vieux, il était venu tout seul avec pour accompagner des artistes ici. Mais l'album qu'on va écouter, c'est l'album Fodé, un album extraordinaire, un album que moi je trouve c'est un de ses meilleurs albums. Certains me diront qu'il y a d'autres albums. Souvent je me bats aussi avec Nadine McNulty quand je lui dis non, ça c'est le meilleur album. Elle me dit non, l'autre c'est le meilleur album. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, moi ça c'est mon album et je me le dédicace et je vous le dédicace à vous tous. Essayons d'écouter, je dis le nom, oui, Kassé Madi, il parle, et l'album Fodé, et la chanson en tant que telle qu'on va écouter, c'est l'album, c'est le nom de la chanson, aussi le nom de l'album Fodé qu'on va écouter sur les ondes de chaque FM, Fodé de Kassé Madi Diabaté, ici sur les ondes de chaque FM. Thank you.
Je vous ai dit, ça c'est le meilleur album de Kassem Hadi Diabaté. La chanson s'appelle Fodé, du même nom de l'album Fodé. Un album extraordinaire où il y avait la chanson La Bandero. Vous connaissez, ceux qui ne connaissent pas, on l'a souvent joué ici sur les zones de chaque FM 105. On essaiera de mettre, mais une autre voix aussi de la musique Mandeng. Mais lui, il passait, il venait du Mali. Mais on va aller du côté de la Guinée avec un autre grand de la musique malienne, de la musique guinéenne qui passe sous le nom de Ibro Diabaté. Ça c'est une des belles voix. Et l'album s'appelle Alanana, sorti très longtemps, si je ne me trompe pas, ça devait être son premier album, donc l'album Alanana, un album extraordinaire. Excusez la qualité, mais en tout cas, c'est juste, c'était des cassettes à l'époque, donc on va essayer d'écouter et on va voir ce que ça va donner. Ibro Diabaté sur les ondes de chaque FM 105. I'm not a
Ibro Diabaté sur les ondes de Choc FM 105 ans et yo yalla la chanson, mais la chanson s'appelle Islam de l'album Alla Nana, un album extraordinaire que je vous conseille, sorti vraiment, je pense que c'était en 1995-94, très exactement, un album très puissant que j'adore et que je sais que vous allez adorer. Donc c'est un album que je vous conseille, si vous ne l'avez pas, allez le chercher, ça va être difficile de l'avoir, mais bon. Qui sait, who knows, si on regarde, ben, on aura à trouver des belles choses. C'est un album que je vous conseille. On sera juste un clin d'œil à Charti Jansi aussi. Merci mon frère, c'est vraiment plaisant. Oksana aussi, bonsoir à toi. Et Georgia, merci, j'ai reçu le message. c'est assez cool, merci. En tout cas, ça te va aussi. Quoi qu'il en soit, on remercie tout le monde, toutes les personnes aussi qui nous envoient des messages ici. On remercie toutes les personnes. Connectez-vous sur YouTube et essayez d'écrire vos messages directement. Arrêtez de me l'envoyer sur WhatsApp. Allez-y, écrivez-moi sur YouTube, tout le monde, comme ça je vais essayer de pouvoir lire vos messages aussi. Vous faire un clin d'œil, vous faire des big dédicaces. On pense à vous, la famille, on pense à vous. N'oubliez surtout pas quoi. En ces moments, c'est simplement le fait d'être ici avec moi, de jouer, d'écouter de la musique, de danser. Laissez-vous aller. Ça va vous permettre de faire passer le temps. Je sais que c'est assez compliqué pour tout le monde, mais quoi, vous savez qu'est-ce qu'on va dire? On s'en fout. On essaie juste d'apprécier la musique, d'apprécier la culture, d'apprécier ce qui se fait en ce moment. Et un big clin d'œil à toutes les personnes qui sont en France, à la famille, à la sœur, à les mamans, les tatas, les tontons, les cousins, les cousines, tout le monde, toute la famille, donc les frères, tout le monde, les amis. On a une grande pensée pour vous. On sait que c'est beaucoup plus difficile chez vous, mais c'est pour cela qu'on a une très grande pensée pour vous. La famille, aussi loin des, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, mais vous restez toujours avec nous. Même si vous êtes très loin de nous, vous êtes toujours dans nos cœurs. On pense à vous. On pense aussi à tous ceux qui sont en Afrique. En ce moment, c'est assez compliqué. Ça commence petit à petit, mais on espère que ça va s'arrêter là, comme le Canada où nous sommes, ou les États-Unis où certains amis sont et des familles. On pense tous à vous. Et la chanson qui va arriver vous est dédicacée à vous. Pour certains, certains vont se rappeler de la chanson, vont se dire « Hey, comment ça se fait ?» Mais c'est juste pour vous montrer que la musique, elle reste toujours à jamais. Elle restera toujours à jamais. Si la musique, elle est belle, elle est bonne, elle restera toujours à jamais. Et comme on dit en Afrique, si une musique n'est ni éducative, ni spirituelle, elle n'est pas une musique. Et nous, en Afrique, on essaye tout le temps d'avoir des musiques spirituelles ou des musiques éducatives. Mais là, ce qu'on va écouter, c'est une chanson que nos mamans ou nos tatas écoutaient. C'était vraiment extraordinaire. On va essayer juste d'écouter une chanson et on va rester aussi dans ces classiques de la musique africaine. Deux ou trois classiques de la musique africaine pour faire plaisir à la famille. On écoute ça pour commencer. Elle passe sous le nom d'Ami Koita et la chanson, c'est Mamaya. Écoute-moi ça.
Eh oui, la maman Ami Kouaita sur les ondes de chaque FM 105, on a plus tendance à parler des Mama Africa. Souvent, quand on parle de Mama Africa, on a plus tendance à parler plus de Myriam Makeba, mais il y en a des tonnes de Mama Africa. Et elle, elle en fait partie des Mama Africa. C'est une des vieilles qui ne chante plus. Elle a cet album. Mamaya était la chanson quand même qu'il a vendu un peu partout en Afrique de l'Ouest, en tout cas. Et c'est l'une des plus grandes griottes du Mali, avec elle on parlera aussi de Kandia Kouyaté, qui n'est toute que la maman de là elle va me tuer même. Et Tapadjara du côté de Montréal, ça va, I'm sorry, je suis vraiment désolé d'oublier ton nom. Non, j'ai pas oublié, c'était juste un bug. Donc voilà, c'est les plus grandes voix mandingues du Mali, en tout cas les plus grandes voix griottes du Mali. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir jouer Ami Kouaita. Ami Kouaita, vous vous rappelez de cette chanson Djarabi qui a été aussi tellement appréciée, aimée dans partout. Cette chanson Djarabi qu'on arrive à mettre souvent, et c'est repris par plein d'artistes. Cette chanson Djarabi, que ça me rappelle aussi mes tontons. Mes regrettés tontons, donc qui a adoré cette chanson. Donc grâce à eux, la musique m'est venue, et grâce à eux que j'ai adoré, que j'adore ce que je suis en train de faire. En tout cas, plaisir à vous, plaisir à tous ceux qui adorent cette émission. Je l'ai dit, dans cette émission, c'est dans le cadre de vous accompagner dans ces moments difficiles. On sait que tout le monde, on est consigné chez nous. Moi qui ai esquivé pour venir ici, non, le travail m'a amené ici, la famille. Donc en tout cas, c'est un plaisir de pouvoir jouer ces musiques. C'est plus un plaisir aussi de pouvoir apporter le traditionnel de la musique africaine chez toi. Souvent, les gens écoutent un seul style de musique. Et ici, dans cette émission, on essaye de toucher tous les styles de musique pour faire connaître un peu ce que nous faisons. Merci en tout cas à tous ceux qui nous envoient des messages. Je ne peux pas tout répondre, mais en tout cas, c'est un très, très, très grand plaisir de pouvoir recevoir tous ces messages-là. Donc, si on partait à la rencontre de trois chansons différentes, c'est des classiques de la musique africaine. On va les écouter. Ça va être vraiment, vraiment génial d'écouter ces classiques de la musique africaine. Vous allez les adorer. Moi, en tout cas, j'adore ces chansons et je sais que certains vont en rigoler et vous allez voir. C'est de la bonne musique, de la bonne musique. Et ça, le premier, c'est pour faire un clin d'œil au regretté Manu Dibango. On ne parlera jamais de la musique africaine sans pour autant parler de lui, qui nous a quittés avec ses conditions, mais quand même. Chacun doit partir de son... Chacun a sa façon de partir. Il est parti comme ça, d'autres sont partis dans d'autres styles. C'est vraiment difficile de voir accepter cela, mais quand même, c'est la vie. Dieu a déjà ce plan et nous aussi, on a nos plans et Dieu a ses plans. Donc, je pense quand deux plans sont devant, c'est celui de Dieu qui partira en premier ou bien c'est celui de Dieu qui sera officiel. Quoi qu'il en soit, on pense à lui, on pense aussi à toutes les personnes qui ont adoré sa musique. Et aujourd'hui, on va écouter aussi Manu Dibango, une de ses classiques de sa musique. Et on écoutera aussi... deux classiques aussi de la musique africaine, vous allez voir. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas le second sans doute vous connaisserez, mais le troisième je ne sais pas si vous allez adorer ou vous allez connaître plutôt. En tout cas, quoi qu'il en soit, on écoute, et c'est pour faire clin d'œil la troisième chanson à une personne, mais on va la présenter tout à l'heure. Mais si on écoutait simplement cet album sorti vers les années 70 80 plutôt, vers les années 80 plutôt, on écoute ça. Ça s'appelle Soul Makossa sur les zones. Thank you.
Sorti en 1972, l'album Soul Makossa de Noël de Manu Dibango. Manu Dibango, oui, plutôt un album extraordinaire, une chanson extraordinaire. Vous vous rappelez quand Michael Jackson avait repris la chanson? Vous savez combien il avait payé les frais à Manu Dibango? 1 500 $, je pense, d'après les échos que j'ai reçus. J'étais vraiment, vraiment dépassé. Il a essayé quelques années après de pouvoir ramener ça sur la sellette, mais c'était déjà passé que Michael avait déjà acheté les droits de la chanson à 1 500 $. Vous vous rappelez de ça, c'était énervant. Donc, quoi qu'il en soit, c'est comme ça quand la musique, elle n'est pas protégée ou si tu ne connais pas trop. Donc, c'est des choses comme ça qui est arrivé. Manu Dibango, une très, 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 très grande pensée à lui. Joan Piloya, elle m'a dit, « This song is not African. »
Wow. Joan Ploya, I don't want to answer you. I will just gonna let Nadine McNulty answer these things, man. This is not real what I'm reading right now, but je vais rien dire, je vais laisser comme ça. Nadine McNulty will answer. This is only it's just funny, man. Je vais pas répondre à ça. Joan Piloya, c'était simplement Manu Dibango. Joan Piloya, si tu connais pas, en tout cas, on va être dans une autre chanson, et ça c'est pour faire plaisir à maman du côté de la France. Madame Khan, cette chanson, elle est entièrement dédicacée à toi. J'espère que tu te rappelles de cette chanson. Si tu te rappelles pas de cette chanson, franchement, tu vas aller dormir. Les deux chansons qui vont arriver, si tu te rappelles pas de ces chansons, va dormir. Et c'est faire plaisir à toutes les personnes, toutes les personnes qui adorent la musique africaine, les classiques de la musique africaine. On vient juste d'écouter simplement, comme on a dit, Manu Dibango Soul Makossa, pour faire plaisir aussi à Sylvia depuis Brampton. Donc cette chanson va, this song goes to you, Sylvia. Et aussi à toutes les personnes qui adorent Manu Dibango, qui adoraient Manu Dibango, qui adorent toujours Manu Dibango. Aussi un clin d'œil à Patrick, Monsieur Patrick. Buen des avis. Donc à toi aussi, un clin d'œil à toi, à toutes les personnes en tout cas qui adorent la musique africaine dans tout son ensemble. Hey, écoute-moi ça, tu me diras qu'est-ce que t'en penses. Et si tu connais pas, aïe aïe aïe, ça va être chaud pour toi. La 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 la
Sam fantôme sur les ondes de chaque FM 105.1, une chanson extraordinaire, une chanson que j'adore depuis que je suis tout petit. Vous allez me dire pourquoi? Parce que j'ai de la famille, des tontons, des tatas, des mamans, ou je sais pas comment les appeler. En tout cas, toute la famille à l'époque qui adorait ce genre de style de musique. Cette chanson, elle est sortie en 1984. Figurez-vous bien, une chanson jusqu'à présent, elle parlait, et c'est une chanson que j'ai dit dans cette émission. Nous essayons d'apporter les classiques de la musique. Souvent, il nous arrive aussi de jouer ces chansons, permettre à tout le monde de pouvoir dire waouh, je me rappelle un peu de cette chanson. Oui, tu te rappelles, surtout dans cette période de confinement, ça va t'aider à pouvoir supporter un peu, à pouvoir aussi se dire ok, cette soirée a été une belle soirée, donc demain aussi ça va être un autre jour. On va essayer encore de l'attaquer avec ce qu'on peut, l'attaquer avec énervement ou avec bonheur, mais on est obligé de toutes les façons d'attaquer la vie comme elle est en ce moment. Mais en tout cas, moi je suis là pour te booster, te donner du tonique avec ces genres de style de musique. Mon nom c'est Mr Tiano, l'émission c'est Nomad Soul, tous les mercredis de 18h jusqu'à 20h sur les ondes de choc. C'est une émission, comme je l'ai dit, qui est voilà, la découverte de la culture africaine en général, en tous les styles de musique, mais plutôt les traditionnels et les tradis modernes dans cette émission. Et parlant de ça, on va aller dans le côté de Guinée-Bissau et ça va être quelque chose d'assez extraordinaire. Si tu ne connais pas la culture bissau-guinéenne, la culture lusophone de l'Afrique, en tout cas, cette chanson fait partie des classiques de la musique lusophone de l'Afrique, surtout du côté de Guinée-Bissau. Et c'est une chanson sortie en 1972 et c'est une chanson que vous allez adorer. En tout cas, ceux qui connaissent la musique africaine de cette partie de espagnole ou portugaise, en tout cas, voilà, vous allez adorer. Ça passe sous le nom simplement de Samama Majombo. Écoute-moi ça. Thank you.
Parira. 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 Mamo Jumbo, super belle chanson Pamparira, sortie en 1972, une des belles chansons, une chanson qui rappelle beaucoup de belles choses à toutes les personnes, en tout cas qui à cette époque connaissaient la musique un peu dansante, ou à l'époque où on découvrait, c'était pas le Funana, c'était plutôt un autre style de musique que j'essaierai de vous rapporter la prochaine fois. Aussi, il y a une des personnes en tout cas qui connaît mieux comment ce style de musique, qui me le dit, c'est de la musique qui nous vient plutôt de la Guinée-Bissau. Donc voilà, de la Guinée-Bissau. À l'époque, c'était le grand band qui a fait des choses extraordinaires. Tout le monde. Et à l'époque au Sénégal, il y avait quelque chose qu'on appelle les Kwaladera. Et les gens allaient dans ces balles de quartier, dans des balles de quartier où j'avais une bâche qu'on mettait par terre. Et puis les gens allaient danser. Et souvent, comme dit une personne en ce moment, du côté de la France, elles essayaient de sauter, de, comment appeler ça, de sortir sans demander des permissions et courir, aller faire des balles de quartier et puis revenir le soir, sauter les murs, essayer de rentrer à la maison. Souvent, certains m'ont donné des habits que je leur jetais. Vous comprenez, je ne veux pas trop dire. Non, comme ils faisaient, ils s'habillaient à l'intérieur, mais ils mettaient des robes dessus. En fait, quand ils sortaient, après, ils jetaient les robes et puis ils m'envoyaient ça. Et moi, je me ramenais dans la maison. Et c'est un clin d'œil à toutes les personnes, en tout cas, qui sont en train d'écouter. Je me rappelle de ça. Donc, je dois écrire un livre là-dessus. On n'a pas fini. On reste dans ce cadre de la musique ancienne. Et ça, c'est cette génération quand même. La musique qu'on va écouter, c'est une génération assez extraordinaire qui a su quand même changer la musique africaine à cette époque. On parlera de Taboulay, on parlera de Khalam à cette époque, on parlera de Touré Kounda, on parlera de qui, on parlera de Franco, on parlera de ces grands noms de Myriam Makeba à l'époque, mais eux, ils ont apporté leur musique à eux, ils ont leur musique, ils l'ont mélangé entre la salsa et la musique africaine, et ça a donné quelque chose d'extraordinaire. Le chanteur est décédé en 1981, figurez-vous bien, 1981, donc alors qu'il était en tournée, il a fait un accident, donc il est décédé en 1980, mais le groupe a fait quelque chose d'extraordinaire dans ces périodes. Ils ont joué un peu partout en Afrique, ils ont fait des shows extraordinaires. Et l'album qu'on va écouter s'appelle Lanaya, un album extraordinaire, et vous allez adorer la belle voix d'Aboubacar Sidi Camara. Ça, c'est le groupe Bembeya Jazz. Écoute-moi ça. Mama, 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 mama
Aboubakar Sidi Camara sur les ondes de chaque FM 105, un album sorti en 1976, un album qui te parle aussi des belles choses de la musique africaine. C'est à l'époque où la salsa a pris sa place en Afrique. Ils ont essayé de mélanger la salsa avec la musique de chaque pays. Et c'est ce qui a donné le mbalax. Le mbalax est un dérivé de la salsa où ils ont pris le sabar et le marimba qu'ils ont ajouté dans la musique, qu'ils ont associé en tout cas le tout avec la musique traditionnelle, ce qui a donné le mbalax. Et donc ça aussi, c'est un cadre aussi pour te dire qu'Aboubakar Sidi Camara, le bembe à jazz qu'on vient d'écouter, le regretté Aboubakar Sidi Camara et Sidiki Camara plutôt, et le Bembe Ya Jazz, cet album sorti en 1976, un album extraordinaire, La Naya, et cette belle chanson que nous avons écoutée. C'est à chaque fois un plaisir de pouvoir réécouter ces grands noms de la musique africaine. En tout cas, et la chanson qui va arriver tout à l'heure, c'est la dédicacée à une personne que j'ai rencontrée tout à l'heure quand je montais, deux personnes plutôt, quand je sortais de l'ascenseur, pas sous le nom de Zahira Tcha, est simplement de Oubey. La chanson va à vous. Le studio, non, ça c'est une nouvelle. C'est pas le studio d'habitude de chaque FM, quoi, ça. En tout cas, non, c'est le studio de chaque FM. En tout cas, c'est un plaisir d'être là et c'est un plaisir de pouvoir tout le temps apporter du bonheur sur les ondes de chaque et aussi de le faire avec toi. Merci pour le beau travail que tu fais. Merci en tout cas pour le support et tout cela. En tout cas, on est très fiers de t'avoir comme directrice générale. Et en tout cas, la chanson qui va venir va directement à toi et aussi à Oubey. Et juste dire qu'à Omar Diallo aussi, je pense à toi, petit frère. Je sais qu'aussi tu es enfermé, on pense vraiment à toi. Et puis la chanson tout à l'heure, si tu veux savoir ce qui sautait, en tout cas les murs ou ce qui sortait couvert et qui me donnait les trucs pour que je ramène à la maison. Donc ça, tu poses la question directement à une personne qui est juste pas loin de toi, à quelques kilomètres de toi, tu lui poses des questions. Sinon, on fait une pensée aussi à Ndia, on pense aussi à Mamoudou, on pense aussi à tout le monde, à toute la famille qui écoute en ce moment et tous ceux qui nous envoient des messages. On s'oublie à Sylvia Forrest, c'était pas Eddie Kenzo, wasn't Eddie Kenzo, that was Super Mama Jumbo from Guinea-Bissau, and that song I think was in 1972. Yeah, that was in 1972. It wasn't Eddie Kenzo, sorry. Also, on va faire un clin d'œil à tout, en tout cas, tous ceux qui envoient des messages ici sur le téléphone, comme vous avez tout le temps, on arrive à répondre. Mais quoi qu'il en soit, c'est un plaisir. Joan Piloya, also, on pense à toi, on pense aussi à toutes les personnes, en tout cas, qui envoient des messages. Il y en a des tonnes. Et comme je l'ai dit, dans cette émission, nous allons à la découverte de cette culture africaine en général. Il nous reste beaucoup de temps. On reste du temps à passer ensemble. On va écouter un autre classique de la musique africaine sorti un peu vers les années 1985. Et ça a fait boum. Pourquoi ça a fait boum? C'est qu'à l'époque, quand ils ont introduit la kora dans la musique moderne, et c'est quand ils ont quand même essayé de mettre la kora, de l'électrifier, et ça a donné ce qu'on va écouter. L'album s'appelle Yekeke et le chanteur s'appelle Mori Kante. Et ce qu'on va écouter, c'est... J'aurais pas dû le dire, j'aurais juste dû laisser écouter. Donc, mais on écoute. En tout cas, beaucoup de gens vont adorer cette chanson. Vous allez voir, c'est une chanson qui vous rappelle beaucoup de belles choses, sortie un peu vers les années 85. C'est toujours un plaisir de pouvoir écouter ça. On écoute sur les ondes de chaque FM 105. Thank you.
Il passe sous le nom simplement de Mori Kanté, un album sorti en 1987, Rectification, un album extraordinaire. Yekeke, c'est à l'époque où la guitare a été, la kora plutôt, a été électrifiée, où à l'époque c'était beaucoup plus classique. Et lui, il est venu avec ce style et c'était extraordinaire. Il sortait aussi d'une très, 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 très grande bande. À l'époque où il y avait les Salifs, il y avait tout le monde, il y avait dans ce bande de Brayband, donc appelé. Donc il a créé son propre chemin, il a fait des choses. On a écouté un peu plus tôt avec. Comment il s'appelle, le Bembeya Jazz, comme vous avez entendu un peu à la batterie, simplement comment il passe sous le nom de Mangala Kamara, le regretté Mangala Kamara à la batterie. Et aussi, ces grands noms qui sont sortis, on peut parler aussi du Sec, là, je vais retrouver son nom, il y a tellement de choses dans ma tête qu'à la limite, Chertigan Sec, le keyboard qui était aussi à l'époque avec le Rye Band, le Royal Band ou something Rye Band, et aussi qui a créé son album et qui est sorti aussi, qui a créé beaucoup de belles choses. À l'époque, toutes les personnes qui étaient autour de ces bands, c'était des ténors, comme on peut en parler de Djali Mari, on peut en parler de Salif, on peut parler de Mori, on peut parler de Chertigan Sek, on peut parler de Mangala, on peut en parler de Mori Kanté, des tonnes, on peut les citer comme ça. Et à la fin, quand ils sont tous sortis de ces bands, ben, ils ont eu des carrières extraordinaires. Donc c'est ça un peu la musique africaine. La musique africaine, c'est tout cet ensemble où les gens arrivent à commencer quelque part et à la fin terminer sur autre chose, et à la fin ils ont des carrières extraordinaires. Et c'est ce qui manque par la nouvelle génération. Ils sont plus dans le computer, et à la limite ils se professionnalisent, mais ils ont pas cette qualité qu'avaient les artistes avant, donc c'est dommage. Et maintenant la musique reste pour ceux qui ont eu la chance d'écouter ces grands noms, même les regrettés. Un des regrettés qu'on va écouter, que sa musique est là depuis des années, mais toujours on arrive toujours, à chaque fois qu'on le met, on se dit, mais c'est la musique d'aujourd'hui. C'est à l'époque où, quand on prend la musique de chez soi, qu'on le met dans le zouk, et le zouk, dans la musique capverdienne, et les mix, ces petits mix-là, c'est ces artistes qui ont osé dire, écoutez, je fais ma musique ceci, mais il faut aussi que j'ajoute quelque chose, que j'amène un plus par rapport à ma musique, et ça donne ce qu'on va écouter tout de suite. Un des regrettés qui nous vient du Gabon, un très grand musicien, c'était un très, très, très grand musicien, et on salue dans cet album le beau travail de Manu Liman, et on ne parlera jamais de Manu Liman sans pour autant parler de Cabo Verde Show. Ça nous donnera de faire une transition entre cette musique et Cabo Verde Show. Vous allez adorer. C'est un gars qui nous a quand même régalé sur deux albums extraordinaires. On parle sous le nom de simplement Olivier Ngoma, et la chanson passe sous le nom de Bané, pour faire dédicace à toutes les personnes qui adorent la musique afro-zouk.
Thank you.
pouvez regretter, Olivier Ngoma sorti cette chanson sortie en 1981. C'est une chanson extraordinaire. Le regretter, Olivier Ngoma, qui nous a quittés il y a quelques années en arrière, donc en 2010, très exactement. Ça fait pas longtemps quand même. C'était en 2010 qu'il nous a quittés. En tout cas, cette chanson sortie en 1981, une chanson qui a fait mais beaucoup de ravages dans le monde, en tout cas en Afrique. Ça a permis à tout le monde de connaître ce style de musique, mix entre la musique africaine et la musique zouk, si on peut l'appeler comme ça. Et le beau travail de Manu Lima dans cet album. Et parlant de Manu Lima, on écoutera aussi, pour faire un clin d'œil à nos amis du Cap Vert. On parlera jamais de la musique capverdienne sans pour autant parler de Cap Vert du show, et surtout de cette chanson qui va arriver. C'est la chanson qui les a quand même fait connaître à travers l'Afrique. Et ce groupe a fait des choses extraordinaires dans leur musique. Ils ont su quand même faire développer leur musique. Développer la musique capverdienne, mais aussi faire connaître le Cap Vert à travers ce band Cabo Verde Show. Grand respect à eux. Il y a quelques années en arrière, ils se sont reformés. Ils ont essayé de faire des shows. Les René Cabral et tous ces genres de personnes, ils ont essayé de faire quelque chose, une petite tournée. Mais bon, c'était juste, je pense, que des petites choses comme ça. Après des années, ils ont plus envie de revenir ensemble. Mais je pense que la nouvelle génération devrait quand même essayer de reprendre les classiques de la musique capverdienne, surtout ceux de Cabo Verde Show, et essayer de juste faire des soirées comme ça, aller un peu partout dans le monde et rejouer ces genres de chansons. En tout cas, ce groupe, moi, si j'avais l'opportunité ou si j'ai la chance de le revoir, je le dirais, les gars, malgré que vous êtes vieux, c'est comme à l'instar de Kassav, c'est à l'instar de Halam qui reviennent après plus de 30 ans d'absence. C'est à l'instar de ces grands groupes, vous avez le droit de revenir et aussi montrer la musique à tout le monde. C'est à l'instar de Baobab, c'est à l'instar de Africando ou d'autres groupes, en tout cas les grands classiques de la musique africaine, les grands noms de la musique africaine. Ils reviennent après des années, ils se reformulent, ils font des choses pendant quelques temps, et puis les générations les suivent, et d'autres générations qui ne les connaissaient pas essayent de les connaître. Cette chanson, John Piloya, he just was telling me, now you're playing music, but what she doesn't know is the music, or what she didn't know is that music is, I think, what I was saying about the years, it was in 1980. At that time, I think you wasn't born at that time, if maybe I'm wrong, but that song goes to you also. I know you love this kind of type of music. Also, you love Monique Seka. We won't play Monique Seka today, but I'm going to play something else for you. Écoute-moi ça, ça vient du Cap Vert, et ça passe sous le nom de Cabo Verde Show. Listen this. Hey, Cabo Verde. Yeah.
Sima sur les ondes de chaque FM 150, ça passe sous le nom du groupe Cabo Verde Show. Et je vous ai dit, on parlera jamais de la musique capverdienne sans pour autant parler de ce grand nom de la musique capverdienne. Il passe sous le nom de Cabo Verde Show et c'est toujours un plaisir de pouvoir les jouer. Et c'est toujours un plaisir aussi de pouvoir apprécier ces bonnes musiques. Georgia qui demandait si on est en direct. Yes, on est en direct, Miss Lotin. On est vraiment en direct et on est dansé. On dansait pour toi, ma chère. Je sais que tu es malade, donc on danse pour toi pour te permettre aussi d'être guéri et puis de, aussi de pouvoir aussi accompagner la vie comme elle est. Tu sais bien qu'on t'aime bien et ne tombe pas malade. Donc là, le show est vraiment en direct. Tu nous vois en direct et en live et on dansait pour toi. Comme tu ne voulais pas danser ou tu ne pouvais pas danser, donc on dansait pour toi. Plaisir à tous ceux qui écoutent l'émission. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Et si on faisait quelque chose de plus dansant que ça, on changeait totalement le style. J'ai envie de faire deux styles, un style beaucoup plus dansant et un style beaucoup plus descendant pour se dire bye bye. Et on finit, on se dit ouais, pour se dire bye bye. Vous savez, chaque chose a une fin et c'est dommage de le finir tout le temps cette émission parce que ça me fait plaisir. Si vous avez envie de rester ici des heures et des heures, vous faire plaisir, mais à un certain moment, il faut finir le show. Donc, on va écouter lui sur les ondes de chaque FM 105. On était dans son pays, mais cette chanson, elle était déjà sortie des années et des années en avant. Écoute-moi ça. Nothing.
au vieux biscard. Sur les ondes de Choc FM 105.1, c'était un plaisir de pouvoir vous accompagner pendant ces deux heures de musique sur les ondes de Choc FM. On va juste dire au revoir à ceux qui sont sur la radio et puis on reste un peu avec ceux qui sont connectés avec nous, passer un peu de temps ensemble avant de se dire au revoir, mais juste plaisir à vous, plaisir à tous, que tous en tout cas qui écoutent cette émission sur les ondes de Choc tous les mercredis de 18h jusqu'à 20h. C'était un plaisir de vous avoir. On se dit bye bye pour ceux qui sont à la radio et les autres, on se reste contact tout de suite. On écoute ça sur les ondes de Choc. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous adorez ce show. J'espère que vous êtes à fond dedans, comme on est en train de le faire à chaque fois dans cette émission, tous les mercredis de 18h jusqu'à 20h sur les ondes de Choc FM. Et c'est toujours un très, 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 très grand plaisir de pouvoir vous accompagner. On va vous accompagner pendant quelques minutes, juste deux chansons. Le temps de se dire au revoir. Si on a écouté Zoblazo, une chanson qui est sortie un peu à la fin des années 90. C'était une chanson extraordinaire de Mayway. C'est toujours un plaisir de pouvoir l'écouter. Il y avait 100% Zoblazo, après il y a eu 200% Zoblazo, Zoblazo, après il y a eu des Zoblazo à en finir, mais en tout cas c'était extraordinaire de pouvoir écouter ce Zoblazo Monsieur Mayway, donc c'est un plaisir aussi de pouvoir tout le temps l'écouter, de pouvoir écouter aussi tous ceux qui ont fait la musique africaine, ce qu'il en est, parce que chacun est venu avec sa génération, chacun est venu avec sa façon de faire sa pierre aussi pour accompagner l'édifice de la musique africaine qui existe depuis des années et qui continuera à exister. Vous avez la nouvelle génération, elle est venue avec quelque chose de nouveau, avec l'afrobeat ou l'afrotrap ou je ne sais pas, en tout cas tous les styles de musique que nous avons en ce moment. Et aussi il y a ceux qui sont aussi de la nouvelle génération, aussi ils sont restés traditionnels, et c'est ce que nous essayons de promouvoir ici pour garder cette authenticité de la musique africaine. On sait que la musique africaine elle est très authentique, surtout quand elle vient du cœur et surtout quand on arrive à jouer les traditionnels de la musique africaine. Et c'est pour cela qu'on a dans cette émission, nous essayons à chaque fois de faire en sorte que les gens puissent écouter et apprécier la musique autrement que ce qu'on nous donne d'habitude. En tout cas, c'est un plaisir d'être là, comme je l'ai dit, tous les mercredis de 18h jusqu'à 20h. Toutes les personnes qui nous écrivent, Georgia en ce moment, et toutes les autres personnes qui ont écrit un peu plus haut. En tout cas, merci à tous ceux aussi qui nous ont écoutés aussi sur les... par message texte. On va juste écouter un grand nom de la musique africaine, Le Regretter, ça c'est un classique. Aussi, on va juste écouter Oliver Matikoudi sur les ondes de Choc FM 105 pour finir cette émission, une ou deux chansons. Écoute ça, écoute-moi ça. Aïe.
Thank you.
une belle chanson de très grand et l'excellence, le grand, le très 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 grand, le puissant Olivier Mutukudzi, le regretté qui nous a quitté il y a 2 ans de cela. C'était une très grande perte en tout cas pour la musique africaine. Il y a ces dernières années, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont quitté. Donc voilà, mais leur musique reste. C'est juste leur visage qui sont partis, mais leur, on va dire, c'est leur personnes physiques qui sont parties, mais en tout cas leur visage et leur musique restera jamais gravé dans nos mémoires. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire de la musique africaine, de ce qu'il en est, en tout cas que ce soit l'Est, l'Ouest, le Nord ou le Sud, ou sinon les îles, en tout cas vous avez fait de la musique africaine ce qu'il en est, les grands noms. La prochaine fois on essaiera encore et encore de faire renaître toutes ces classiques de la musique africaine, ces personnes qui ont fait de la musique africaine ce qu'il en est, comme j'arrive à le répéter à chaque fois, on va essayer de les faire renaître de par cette émission et leur permettre aux gens qui connaissent pas trop la musique africaine ou bien qui connaissent ou qui oublient, qui sont souvent bourrés par un seul style de musique, nous leur permettrons dans cette émission d'aller à la découverte de tout cela. En tout cas, c'est un plaisir d'être là tous les mercredis de 18h jusqu'à 20h. C'était Mr. Tcherno, l'émission Nomad Soul. Donc on se dit bye bye, à la prochaine, et merci quand même, merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés, soit par message texte, soit par Facebook ou simplement par YouTube. C'est un plaisir, en tout cas encore un plaisir d'être là tous les mercredis, et un plaisir de pouvoir apporter la bonne musique, et aussi un énorme plaisir aussi de dire merci à toute l'équipe de Choc aussi pour le beau travail que nous sommes en train de faire par la voix de sa directrice Madame Zahira Acha. Très beau travail pour tout cela, en tout cas merci, nous te devons beaucoup de belles choses. Et la chanson que je viens d'écouter, si on pouvait la réécouter, j'aurais vraiment envie de la réécouter, si vous me permettrez les gars. Cette chanson, je me la dédicace à moi. Si cela vous dérange pas, donc je reviens sur cette même chanson. On se dit bye bye, à la prochaine, et à même chose, même heure, même fréquence sur les ondes de chaque FM 105 ans. J'ai vraiment envie de revenir sur cette chanson si vous me le permettez, ou bien on va mettre Samba Gay sur les ondes de chaque FM 105 ans. Donc ça, j'espère que, en tout cas, j'adore cette chanson, j'ai envie de la réécouter, mais bon, vu que on est à la radio, on va juste jouer une autre chanson de la maman Ami Koita, Samba Gay, pour faire plaisir à tous nos amis maliens et toutes les personnes qui adorent la musique malienne. À la prochaine, même heure, même fréquence sur les ondes de choc, et bye bye la famille. On dit waouh, cette chanson me reparle en fait, c'est ça les gars, c'est parce que j'ai eu la chance de le voir à 2 reprises sur scène, et j'ai adoré son show. Et donc voilà, on écoute Samba Gay, Concorde Gay, sur les ondes de chaque FM, Ami Koita. On se dit bye bye, à la même heure, même fréquence sur les ondes de chaque, bye. Thank you.
Wow, on se dit bye bye les gars, on s'est dit bye bye tout à l'heure avec cette belle chanson de Ami Koita, une vieille chanson de Ami Koita. Je vous ai parlé des Mama Africa et merci et plaisir à tous ceux et celles qui nous ont écrit. Je ne pourrais pas citer tout le monde, la famille. Il y a beaucoup. En tout cas, juste un clin d'œil à quelqu'un qu'on n'a pas encore dit. Hi, c'est Vanessa. En tout cas, on pense à toi du côté de Montréal, Vanessa Alexandra. On pense à toi. On pense aussi à Jasmine. J'ai un nom spécial pour toi. C'est, je le dis ou je ne le dis pas. Non, ce n'est pas grave. Frankie Vincenta Pizza, donc big up aussi à toi, on pense à toi, on pense à tout le monde. En tout cas, bye bye, on se dit la semaine prochaine, même heure, même fréquence. On essaiera de voir si on peut souvent faire des petits lives, mais on essaiera de voir. On finit juste avec la même chanson qu'on a écouté tout à l'heure, Olivier Moutoukoudi sur les ondes de choc. Et bye bye, allez ciao.